présenter l'un à l'autre. Vous me prenez au saut du lit, je risque de tomber dans les bras de Morphée sous peu. Très bien. Et bien, nous aussi. L'humain est bien fait. C'est l'endroit. Certains sont mieux faits que d'autres. C'est un concours ou comment ça se passe? Et non, je vis pas du rap, mais j'aimerais bien. On travaille pour. Donc si je comprends bien, vous êtes chômeur. Je suis en stage de chômage. Non, je suis pas chômeur, je travaille. Non, vous êtes chômeur. On est breton alors, enfin je suis breton. Vu l'allure, je l'aurais deviné que vous étiez breton. C'est ça. L'allure un peu plouc. GNR sur le pilotis, comme à Koh-Lanta, avec Brognard. Je suis pas de province, moi. Je suis de Paris même, moi. Ah, vous êtes de Paris? Alors, voilà. Vous êtes tombé sur la tête, alors. Non, non, non. Non, non, c'est bien ici, on est bien, là. C'était d'une boutade. Ouais. Je veux dire qu'à l'hôtel des Maldives, que papa a acquis récemment, il y a bon nombre de personnalités et d'hommes d'affaires qui défilent. Ils ne viendraient pas ici. À moins qu'ils aient perdu la vue ou la raison. Ou les deux. Les deux, la vue et la raison en même temps. Un mix entre Gilbert Montagnier et Vincent Lagaffe. Père m'a incité à faire ce stage. Alors il m'a dit, selon ses termes certes assez grossiers, que cela me permettrait de me sortir les doigts du cul. Je lui ai répondu avec l'impertinence qui me colle à la peau, que je mets rarement les doigts de ce côté-ci. Ouais. Ça fait mal. C'est ça. Par rapport aux doigts dans le cul. Oui, j'avais bien saisi la finalité de l'histoire. Et donc? Ça va, frérot, quoi, tranquille? Nous ne sommes pas frérot, hein, déjà. Je pense que ça se voit, non? Je pense que ça se voit, nous ne sommes pas frérot. Il faut tout leur apprendre à ces rappeurs, décidément. Hein. Il n'y a rien dans leur tête. Hein. Savez-vous ce que sont les moins de 10? Non. Ce sont les personnes qui gagnent moins de 10 000 euros par mois. Vous, au moins, qui êtes probablement moins de 10, vous êtes bien à votre place ici. Non, non, moi je suis bien ici. C'est pour ça que je veux pas aller dans les villes. Avec une situation géographique qui correspond à vos revenus. Mais tu sais pas non plus combien je gagne par mois. Non, mais vous êtes moins de 10 à mon avis. Écoutez, je vais vous inviter à aller mettre votre bleu de travail. Invitez-moi plutôt à prendre un verre. M'entendez-vous? Est-ce que vous avez prévu une tenue un peu plus adaptée par contre, parce qu'on va monter en plus tout à l'heure? Non, j'ai un standing à respecter, je ne vais pas me mettre en salopette. Donc disons plutôt que je suis un dépanneur. Je suis le dépanneur du ghetto. Pas dans un ghetto ici. Je suis le dépanneur du ghetto. Je dépanne. Je vous dis pas l'état de la dépanneuse. Il est sérieux? Je sais pas. C'est une boutade. Nous aimons bien nous faire de petites boutades entre camarades. C'est de la marade entre camarades. Ouais. On discute un petit peu peut-être. Bizarre un peu. Ouais, il est bizarre, ouais. Vous imaginez l'état de la dépanneuse? Déplore. Un champ lexical propre à la pauvreté. HLM, cité, studio. Ah, ça vous parle, ça? Oui. Bref. Donc, en fait, ici, c'est le studio MX. Donc, on travaille avec Junior et mon collègue Youv. Pour la technique, en fait, arrête de rigoler, gros. Je vous voyais parler. Oui. Hey, tu étais sérieux, là? Arrête. Je vais recommencer 50 fois. Oui, sérieux. Donc ça, donc vous voyez, ça passe par ce type de fibre. Ce sont des fibres optiques, c'est tout petit, c'est aussi grand aussi épais qu'un cheveu. Je pense que vos cheveux à vous sont plus beaux que ceux-là. Je vous remercie. Vous en tout cas, ils sont moins colorés. Vous avez, ça, vous avez des cheveux d'or. C'est vrai. Voilà. Et les clés? Je sais que vous avez pour habitude de démarrer sans clé, grâce au contact. Mais là, ce serait mieux d'avoir une clé. Effectivement, je préférerais pour l'occasion. Alors, mon cher, nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. Exactement, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Alors, fais attention. Hein. Je te le dis, fais attention. Je n'ai pas une tête à élever les cochons, d'ailleurs. J'ai une petite blague. Savez-vous ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Je sais pas. Moi, regardez. Pas à ces gens-là, moi, normalement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je parle pas à ces gens. Regardez. Qu'est-ce que tu fais? Devinez, c'est une devinette. J'ai mis de la salade sur mon cou. Là, tu fais le couillon, là. Non, c'est un couvert. Ah bah, mon cher GNR, dans vos clips, vous faites le malin avec votre grosse berline. Dans la vraie vie, vous vous contentez d'un taco périmé, une vieille guimbarde. Bon, alors s'il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on doit tout faire à la maison, toi. Hein? J'avoue être un peu oisif. Hein? Regarde. Profitez-en, journée porte ouverte au tocard. Donc, parce que comme je ne suis pas comme vous... Journée porte ouverte. C'est un problème. Journée porte ouverte au tocard. C'est un problème. Comme je ne suis pas comme lui, c'est un problème. Monsieur Johnny, le chausson aux pommes. Ouais, j'ai vu. Super drôle. C'est une blague que j'adore faire. Vous prenez une chaussure, vous mettez une pomme dedans et ça fait un chausson aux pommes. Ah là là.
Les chaussons de pomme. Johnny. Eh, c'est John, moi, je t'ai déjà dit. Oui, le chausson aux pommes. Ouais, ouais, j'ai compris. J'ai compris, Louis, j'ai compris. Vous avez rigolé? Ouais, j'ai rigolé, ouais. On fait donc un joint. Ah, voilà. C'est illégal. Sur notre baguette. On teste ensuite la baguette qu'on va en mettre. Et as-tu envie de devenir rappeur comme moi? Moi, rappeur, que Dieu m'en préserve. Donc je te fais visiter un peu les chambres qu'on a à offrir. Mais ce sont des lits ou des trains couchettes direction Quimper? Oh putain, merde. Vous n'irez pas à Baltar, JNR, comme dirait Manoukian. Est-ce que nous pouvons discuter d'autres sujets qui ne ramollissent pas le ciboulot, s'il vous plaît? Attends, là je suis en pause, je parle de ce que je veux. Vous avez tout perdu, vous êtes retrouvé à Quimper, avec une personne qui pourrait être votre père. Mais je l'ai fait par amour et j'ai... Par amour pour les vieux croutons. Encore plus givré que la neige devant son chalet. C'était le montagnard Mr. Freeze. Givré de partout. Le montagnard marron glacé. On peut reprendre le sujet? Il était givré, autrement dit. Les gens viennent, ont loué une chambre dans le gîte. Vous savez, vous mettez les pieds. Ici, c'est le gîte et le couvert, point. C'est ça. Il y a certains hôtels palaces où c'est jacuzzi, ici c'est chiottes sur le palier plutôt. Non, non. C'est une petite fenêtre secrète. Voilà, c'est la petite fenêtre secrète. Voilà, j'ai un morceau de câble qui arrive ici. Coucou, vous me voyez plus et là vous me voyez. Nous sommes chez les Bidochons à la montagne. Ah, Bidochons, peut-être pas quand même. Vous voyez ce que je veux dire. Ça m'étonnerait quand même. J'ai l'impression d'être chez Frédéric Lopez et de rencontrer les aborigènes. Alors lui, bienvenue. Savez-vous dans quelle émission j'ai l'impression d'être? Je vous la donne en mille. Non, j'irai dormir chez vous. Mais moi, je n'irai pas dormir chez vous. Parce que j'entends d'ici le parquet qui grince, les rats qui se régalent dans la cuisine, les cafards qui se baladent entre les lattes du matelas. Il n'y a pas de cafards, il n'y a pas de rats, c'est propre. Le mix entre Gilbert Montagnier et Vincent Lagarde. Tu vois, je t'ai dit ta gueule, toi. Il est bon, il est bon, il est bon. Qui finalement sont une pollution pour le cerveau. Non, 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 moi j'aime bien. Voilà, trois petits points, tout est dit. Voilà. Et toi, t'aimes quoi, toi? Tout est dit. Je crois que nous avons tout dit. Le tableau est dressé. Le tableau est peint. Et toi, t'aimes quoi, toi? Vous savez, jeune homme, je pense que votre appartement est à peine plus grand que mon local à poubelle. Mes ordures vivent mieux que vous. On va passer à la phase de présentation. Enchaîne. On va passer à la phase de présentation. Louis? Oui. Et en tirant sur notre drague, on récupère le câble à la fin. Je peux me permettre, ça veut dire que vous draguez souvent. Ça veut dire qu'on drague souvent. Nous, on va aller draguer l'autre partie, qui est toujours au fond. Donc vous draguez surtout au fond de l'eau. Voilà, surtout au fond de l'eau. Une fois que ces essais sont... Moi, je drague jamais en apnée. Ça, c'est compliqué pour communiquer. Malheureusement, je ne plonge pas, c'est le ref qui y va. Pourquoi vous ne l'avez pas ramené, votre tante? Elle ne vous régalerait pas. Et vous, elle vous régale? Non, moi, je n'y touche pas, c'est ma tante. Je ne suis pas du Nord. Certes. D'où venez-vous, jeune homme? Je viens de Quimper, pourquoi? Ah voilà, ceci explique cela. Quimper. Vous avez choisi un parking comme décor pour votre vidéoclip. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez faire fantasmer le pèlerin en choisissant un décor qui pue la pisse? Ceci dit, bon, ça représente bien votre état d'esprit. Les rats s'enterrent dans les sous-sols. Et vous êtes bien ici à votre place sur l'échelle sociale.